Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je n'avais pas prévu de faire de tuto aujourd'hui, mais en fait, je me suis rendu compte de la date. Et le 8 décembre approche très vite. Et voilà, chez nous, c'est une tradition de faire le sapin le 8 décembre. Donc, il va falloir que je m'accélère un petit peu, puisque je veux encore faire une autre vidéo tuto sur le thème Noël avant le 8 décembre. Voilà, donc du coup, eh bien, un petit tuto aujourd'hui. Donc c'est un tuto très simple, pas compliqué du tout. Il vous faut un pistolet à colle, un morceau de carton et tout ce que vous avez comme perles, paillettes et autres sequins et autres petits trucs à coller. De toutes les tailles différentes, un petit peu de laine éventuellement, et puis c'est tout. Donc si vous êtes prêt pour le tuto, eh bien ne bougez pas et c'est parti pour la vidéo. Alors on va commencer par faire notre lune. Donc pour ça c'est très simple, on fait un cercle. Moi je fais comme ça, je prends un rouleau de scotch et je le place de façon à faire le croissant plus ou moins fin. Je vais le faire comme ça, voilà. Hop. Et voilà, vous avez une jolie lune. Donc je vais couper ça. Je vais doubler le carton pour que ce soit un petit peu plus dur. Et on se retrouve tout de suite après. Avant que ça sèche complètement, on va y mettre la tache. Mais ça a déjà commencé à sécher. Mettre la petite attache. On coupera le petit morceau qui dépasse après. Et donc maintenant, on va remplir des deux côtés notre lune avec des paillettes, des perles, tout ce qu'on a, voilà, tout ce qui vous plaît, au pistolet à colle. Donc je vous conseille de mettre une bonne épaisseur de colle. Si vous avez de la colle pailletée, c'est encore mieux, mais bon, sinon voilà, une bonne épaisseur de colle pour que ça bien. Et je vous conseille également de commencer par les grosses perles et paillettes, puis les moyennes, puis les petites, puis les toutes petites, voilà, pour que ce soit plus facile pour vous. Donc et bien c'est tout ce que j'ai à vous dire, et bien c'est parti. Thank you.
un petit pompon. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura inspiré, qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, eh bien, je vous fais des gros bisous et à la prochaine fois. Bye bye!